Tu es au Canada? Ouais. T'es un mangeur de caribou? Il n'y en a plus de caribou, mec. Comment ça, il n'y a plus de caribou? C'est quoi cette histoire? Disparu, mec. Disparu? Et l'espèce de gros castor, il est mort aussi? Un castor, il est toujours là. Castor, il est envahissant. Le castor, il est toujours là, plus que jamais. Je leur casse la gueule à chaque fois que je peux. Mon gun et je les fusille, mon pote. Il est fou, lui. Hey, t'en fais quoi des queues de castor, mon copain? Moi, je jette, là, il y en a qui font toutes sortes de trucs. Moi, je ramasse la peau, je la donne à mon oncle, il la vend. Ah ouais, de la peau de castor qui se vend? Ouais. Fourrure de castor, mon pote, c'est une des meilleures. C'est imperméable, à ce fuck, là. Bah ouais, sale bête qui vit dans l'eau. Mais la fourrure, c'est insane, là, je te dis. Eh, si j'ai envie de m'en faire des bottes. Ouais, ça va être des bonnes bottes. Ouais, bonne bottasse. Ouais, des bottes imperméables, et en plus, la paume, hein, c'est vraiment solide, là. Ouais, même ils ont des bonnes gueules d'enculés, les castors. Moi, je prendrais du plaisir à les buter. J'ai commencé à les trapper, j'avais avoir 11-12 ans, mec. Une fois Oh j'arrivais au putain. piège, ils étaient pas morts, mais je me prenais un bout de bois, je les cassais sur la gueule, man. Oh, je les tapais aussi fort que je pouvais, man. Je déteste tellement cette bête. C'est envahissant, ça détruit, mec. Une année, là, sur 1 km, je n'avais compté 28 claqués sur la route, man. Il y avait eu des inondations, et le seul point, c'était tous des champs à perte de vue, et le seul point ce qui ne s'était pas inondé, c'était l'autoroute. Donc tous les putains de marmottes de tous les champs, ils étaient sur l'autoroute. Mec, ils se sont tout fait taper, mec. Du coup, vous pouvez enfin voir le vrai visage de Proz. Juste choquant. Le feeling entre vous deux est Vous avez chié fou. la forto avec l'hélico là? Ce genre de mec, je le croise par hasard, on se met à boire des coups et Enfin. c'est toute la nuit quoi. Vous êtes seul ou pas là? Ouais. Menteur. Vous avez fait le tout le travail! Ah là là J'en ai knock deux. Oh oui. Non, moi j'aime pas, comment ça qui est fort. Bon, c'è il mio mitraglione, c'è il mio mitraglione. Rocco, vai, dai una mano. Dai una mano, Rocco. C'è il mitraglione. Ah, ok. Attacchi. Pourquoi il meurt pas? Bad. Ouais, bien joué. Ah, y'a du monde. T'es sérieux, là? Qu'est-ce que vous faites, mec, les noobs, là? Vous êtes vraiment nuls. Et ils étaient campés, les trois, mec! Mais c'est en mec, tu Europe. les as pas vus, ou quoi? Mais c'est en Europe, ça, mon gars. C'est salope. Ah, mais là, votre Et. forteresse, au début, moi, j'avais pigné celle au bout, j'avais l'hélico, on arrête tout su, y'a eu personne, merde. Ah. C'est pas grave, win le goulag, mon con, et on repart. C'est rien. Ouais, c'est bon. On va se faire péter là, hein? Non, j'ai envie de te lécher les gosses quand tu dis Ouais. ça. Ah, mais on est trois noobs sur un 4 roues, hein, en Mais pleine non, là. dis pas des trucs comme ça. Mais non! On est les plus heureux, mon gars. On débarque! Non, non, descend pas! Oh, c'était pas Oh, bon. compris là. Eh les gars, venez vite vous cacher. Ah, t'as entendu le son qu'il a fait là? Oh, il m'a fait mal. Tu mens. Non. Allez, je me suis suicidé, VRA. Oh non. Oh, bah bon, allez, je me suis bonjour. pitché ma grenade. Allez, Jean-Claude, viens. Viens, Jean-Claude, viens. Je Viens, te mon suis. enculé. Viens, mon enculé. Oui, ah, non, vas-y, vas-y. Viens. Viens, mon Jean. Viens, mon Jean. Vas-y, on va l'enculer celui-là. Ouais, ouais. Allez, viens, viens. Ah, j'ai même pas touché, putain. Va pas descendre là, je peux pas compter sur lui là. Mange ça. Mange ça. Non, chez moi. Vas-y, cours après. C'est impossible. No way. Mais t'as vu les balles qui sont passées Ah à non, travers? ouais. T'as Allez, vu tu les m'as balles qui piqué sont cette passées à merde travers? alors. What's up? Lui, il tient à côté, moi je t'ai tiré, ça marche pas, putain. Jean-Claude, tu me niques ça.
Nous, sur les poids lourds, on a des trucs qu'on appelle les mousse bumpers. En gros, c'est un truc pour cartonner les élans? Ouais, exactement. Il y a des parcs ici, il y en a trop, mec. J'aurais un vache bumper, je les cartonnerais, ces salopes de vaches. Une fois, j'étais dans les plaines canadiennes, dans le Midwest. Hein. Je suivais un autre poids lourd, il y avait de la brume et de la fumée, il y avait des feux de forêt, on voyait que dalle dans la nuit. Okay. Le mec avait un mousse bumper devant moi, je le suivais à une longueur de camion derrière, on lui a roulé 90 km/h. Il a hit un chevreuil là, mais il est parti en poussière le chevreuil. Ouh, direct devant moi là. Total, ça a mis un nuage de sang, il a éclaté mon pote, il restait que la tête et le cou, mec. Le truc, il était salopé là, oh my god. C'était incroyable, c'est le truc le plus malade que j'ai jamais vu, un truc sur la route. Hein. C'est la meilleure histoire. Je dis, il a parti en nuage, le chevreuil, ça a fait pouf, j'ai vu que du rouge devant là, le camion il était blanc devant moi, ça venait rouge, j'ai fait what the fuck. Il y avait genre 40 litres de sang partout là, c'était extrême. Espèce de chevreuil de merde à la con, on se mettra plus jamais dans le truc là. Ah, sur 5 générations, il va s'en souvenir si tu l'as savé lui faire la bite. Ah, c'est clair. Et s'il y avait ces petits derrière, ils vont plus jamais retraverser une route. Eh, hey, maman, maman, on traverse ici les petits. Pouf. Oh merde! Il est fou, il est plus que fou! Attends. Merci Zerax sur les deux mois. Ouais, c'est ça. Et je suis en camion, j'arrive d'aller faire un largage. Et là, je suis dans un rang, nous, c'est les rangs, hein, c'est ce qu'on. Au travers des champs, au travers des fermes, là. Ouais. Et je roule, c'est au printemps, au mois de mai. Et donc, les chevreuils, ils viennent d'avoir leurs petits. Et je roule et je vois au loin, je regarde dans le buisson, il y a comme un truc qui bouge là. Et je fais, quoi, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et là, ça remonte du fossé. Et je vois le petit Bambi, mec. Il vient juste de naître et il vient tout juste à peine de se lever là. Il se lève tout content, il se dandine, il fait 3-4 bons, man. Il s'enligne dans la route. Il y avait un civique qui s'en est, man. Il l'a jamais vu. Jamais vu. Le Bambi, à la hauteur où je les ai rencontrés, le Bambi, il a disparu. J'ai regardé dans le miroir, il n'y avait plus de Bambi, man. Il était plus là. Bambi, c'était fait mort. Ah, il s'était fait cartonner, Bambi. Ah, j'ai entendu boum. Et j'ai regardé dans mon miroir, il n'y avait plus de Bambi. L'automobiliste, il a cartonné, il a tapé, man. Il a disparu, le Bambi. Il a vécu à peu près une demi-heure. Je te dis, le mec dans son char, il a même pas dû comprendre. Il a dû faire quoi? J'ai pris un trou, là. J'ai pris quoi, là? Il a rien vu, c'est sûr. Il était tout petit, là. Il avait 20 cm de haut, là. Le mec, dans son automobile, il est écrasé dans son siège. Il a fait boum. Oh, c'était quoi, là? J'ai tapé un trou. Oh. C'est trop un roi, non, ce il mec. Chez lui, il avait un Bambi dans la grille. Moi, je vais te suivre, là. T'es où, là? Oh putain, t'es la forto là? Et on arrive. Amène-toi, toi. Merde, je suis en train de faire une forto tout seul, les gars. Je vais claquer. Les gars, venez vite, par pitié. Oh, on arrive. On est très loin, mec. Mais on arrive. Y'avait pas un hélico ici, là? Oh la putain de cook. Let him cook. Ah, t'es un monstre, hein. Je les ai détruits. Tu vois la Peki, tout ça, c'est quoi? C'est du top 250-300. Je les défonce, moi. Là, il y a encore une team devant moi avec une autre qui m'arrive dessus en hélicoptère. Ah, casse-toi. Je vais les 1v6, mon gars. Comment il a su que j'étais là, lui? Je peux pas monter. Les gars, j'ai plus de plaques. Je vais aller chercher l'hélico là-haut, je vais le chercher. J'arrive. Oh, les mecs là. T'as des plaques pour moi? Plaque. Des plaques, mon gars, putain. Ah, de merde. Je suis mort. Mais ouais, je voulais juste des plaques, moi, mon gars. Et qu'est-ce que tu fais, Juxte? Tiens, paralyse, c'est balle. Avec la putain de moto.
Allez, j'avais dit de pas nous quitter là. Hein. Mais ouais, mais vous m'avez lâché dès le début. Le train, t'aurais pas dû là. On avait tout ce qu'il fallait là-bas là. En plus, tu te casses tout seul avec le train. Je dis pas si on prend le train à 3, mais là, tu t'avertis pas, tu prends le train, tu te casses. Rien ouais. y faire. Hein. Moi, j'ai essayé de venir à la rescue, je me suis fait niquer à la moto parce que j'étais resté coincé dans un putain de coin. Ouais, je suis pas bon comme ça. Non, mais t'inquiète, mon pote. T'inquiète. Maintenant, plus bas, hein. Connard qui nous a niqué, là. Il est là. Au-dessus de nous, mon gars, au-dessus de nous. Ouais, j'ai pris ton bac au moins, là. L'hélico, il y a une mine dessus, l'hélico, il y a une mine, hein. Là, derrière vous, là. Oh non, j'arrive, je te regarde. Non, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, mon gars. Je te tape. Merci. Et ils sont très forts. Sur le top. Je les craque à la grenade. Il est down. Où ça? Là, en face, ici, là. Son mec il m'attend, ouais, à droite, derrière. Oh mon dieu. Oh. Ah, ils sont forts. Ah, mais regarde, c'est une paquetée. C'est les top 40. Ouais, j'ai vu. Bah, j'arrête là, moi, les gars. J'arrête là, mais j'ai passé une super matinée. Je te propose qu'on se revoie bientôt. Ouais, bisous, mon gars. On reprend ça. Ouais, on sera. Mais on est en ami, donc on se recaptera une prochaine fois, mon gars, avec plaisir. Yo, à la prochaine. Bisous, mon gars.